Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les réglages d'une chaudière de Dietrich, la MPX. On va d'abord voir l'allumage de la chaudière. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien d'affiché sur l'écran, sauf ce sigle. Alors ce sigle signifie que le chauffage et l'eau chaude sont désactivés et que seule la protection anti-gel est activée. Ce qui veut dire que si dans le local la chaudière détecte une température, je crois que c'est en dessous de 8 degrés, elle va se mettre en route pour se protéger. L'allumage se fait par une pression sur ce bouton justement. Pour le réglage de l'eau chaude et du chauffage, il se fait simplement par les boutons à gauche pour l'eau chaude et à droite pour le chauffage. Pour changer le mode de fonctionnement, c'est la touche du milieu, celle-là. Elle vous permet de passer de eau chaude seule à chauffage seul et maintenant eau chaude et chauffage. Et pour éteindre et mettre en mode hors gel, c'est toujours cette touche-là. Vous appuyez pendant 3 à 5 secondes. Pour rappel, vous avez toujours un lien en description avec la notice de la chaudière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos ou reprendre une vie normale.